Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo action, c'est parti. Alors j'étais action parce que Léna a un devoir de dessin à faire et en fait on cherchait du papier crépon et je sais qu'ils en font action mais on n'a pas eu de bol, il n'y en avait plus. Donc elle doit faire un dessin en relief et pas de bol, c'est les vacances, c'est blindé, les rayons sont vides. Donc forcément j'ai fait mon petit tour et j'ai trouvé des petites choses pour Noël, donc je vous fais partager. Alors, ça. Alors pour Léna j'ai trouvé ça pour justement... sa création de pour son DM de dessin. Donc vous verrez, il y a un petit reflet, bon forcément. Là c'est rouge, là il y en a des bleus. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est du carton miroir. Donc en fait elle va dessiner sûrement Belle, de la Belle et la Bête, mais en robe de Noël, elle a une robe rouge. Donc pour faire le dessin et après mettre du relief dessus. On découpera, voilà, on va voir ce qu'on peut fabriquer avec, vu qu'on n'a pas trouvé pour l'instant du papier crépon. Donc je vous mettrai comme d'habitude les prix ici, hein, cette fois j'oublierai pas. Et on continue. Pareil, alors vu qu'elle compte faire Belle dans la neige, on a trouvé ça au rayon Noël. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, c'est des petits flocons de neige, hein, c'est pour faire un effet neige. Par contre... je sais pas comment on va faire tenir ça. Je pense que je vais mettre de la colle. Je vais couper un coin là. On va bidouiller le truc. Au pire, si vous voulez voir le résultat final, je vous mettrai dans un... Pareil, alors pour Noël, j'ai trouvé cette petite chose-là qui était pas très chère, 1 euro et quelques. Et c'est pas du plastique. Un bol Père Noël. Donc bon, je pense que même en plein été, on mangera quoi. Les enfants mangeront leur cornflakes dedans. Et je crois qu'il y avait aussi des bonhommes de neige. Mais voilà, c'est pas en plastique. Mon grand se rase, hein, pour ceux qui ont... aperçu mon plus grand garçon qui aura 16 ans la semaine prochaine, surtout dans mes vlogs Disney, hein, c'est le seul endroit où vous le verrez, il a de la barbe, hein, il fait plus que son âge. Et donc il s'est tout rasé il y a quelques jours et il me demandait de l'après-rasage, donc j'ai trouvé de l'après-rasage brut. Donc j'ai senti, parce que j'aimais bien le brut, ça sent bon le brut. Donc il voulait de l'après-rasage, pareil. Alors justement mon ado adore les séries à l'américaine, vous savez, Stranger Things, les séries américaines de jeunes, que je regarde aussi. Hein. Et souvent, quand ils font des fêtes dans leur maison et tout ça, vous voyez les fêtes d'ados, voilà, avec leur grande piscine, hein, pas comme chez nous, il joue à des jeux, bon c'est vrai que souvent c'est de l'alcool, hein, mais il avait dit « Ah c'est cool ce machin là, j'aimerais bien, c'est bête qu'on n'en trouve pas en France ». Et là je suis tombée dessus à action. Donc je crois que le but c'est de tirer la balle dans le verre où il y a de l'alcool et si la balle tombe dedans, il boit. Bon, sachant qu'il a 16 ans, je ne ferai pas ça avec de l'alcool, hein, mais ça peut être un petit jeu à faire où il le garde de côté quand il sera plus grand, on verra comment ça se passe. Donc je vais acheter. J'ai trouvé du Oral-B, alors je les teste tous. Hein. Alors là, j'ai pris blancheur et fraîcheur naturelle. J'ai pris Timothée. Voilà. Alors un shampoing, parce que moi le shampoing, ça part très vite. Il sent super bon. Alors c'est du shampoing, cheveux secs et abîmés, enrichi en huile d'avocat 100% naturelle. Je l'avais jamais vu et il sent super bon. Je vais vous faire bientôt un produit, les produits finis. Donc il y a pas mal de shampoings, je vous dirai si je les ai. Et dernière petite chose, donc j'ai pris ça pour Noam, pour Noël aussi, parce que ben, sur les forums, ça cartonne. Alors j'espère que à long terme, ça ne va pas se casser, hein, parce que quand c'est pas cher, forcément, parfois, ça casse vite. Donc, moi, je dis pas tout, hein, mais voilà. Le train que j'avais acheté dans mon précédent haul action, il a fait une journée, il est cassé. Hein. Donc, je vais trouver ça. Alors ça c'est connu, hein, on les voit à la télé, on les voit dans les grands supermarchés. Alors là il y a une tour, élévator, et ça vous avez le circuit et les voitures, voilà. Elles font leur petit chemin, vous mettez des piles, une batterie, et vous pouvez changer le circuit. Et je crois qu'il y a même des extensions pour faire des super grands circuits. Donc je lui ai pris ça pour Noël. Parce que je sais que bah, ça, il adore les voitures. Hein. Noam, c'est mon dernier qui a 4 ans. C'est monsieur voiture, monsieur pas de patrouille. Donc, j'avais vu sur les forums et là, j'ai dit, ah, faut que je le trouve. Et franchement, je l'ai trouvé au bout d'un rayon, tout en bas. Le truc, on ne le voyait même pas. Donc, il y en avait plein. Si vous avez Facebook, vous allez sur Action, une addiction. Bref, il y a plein de forums comme ça. Et les nanas font voir les nouveautés et tout ça. Et franchement, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, bah, c'est ce qu'il me faut. Et je l'avais vu à Coram, il était à 15 euros. Et je crois que là, il coûtait 6 euros. Donc, voilà, ça fait quand même des petites économies pour faire voilà, plaisir. J'ai acheté d'autres choses. Vous voyez comme la lessive, mais je vous l'ai déjà fait voir. Maintenant, la soupline, je prends toujours celle-ci.
Allez, pour les peaux sensibles, alors vu que mon petit garçon de 6 ans, 7 ans a des problèmes de peau, j'évite la soupline. Mais là, ils disent vraiment pour les peaux fragiles et elle est top. Elle coûte 1,99 € il me semble, donc je prends que celle-ci. Et puisque je suis Action, à chaque fois, je prends aussi le Ariel à 3,50 €, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. Bon, sachant qu'il n'y a que quand même 13 lavages. Moi, parfois, je fais deux lessives par jour. Oui, on est Si six. Un si. jour, je suis milliardaire, je prends une femme de ménage qui me repasse mon linge et qui fait que mon linge, qui s'occupe que du linge et les chaussettes. J'en peux plus, les chaussettes. Ah ouais, famille nombreuse, mon Dieu, c'est un calvaire pour les chaussettes. Donc voilà pour ce petit haul Action. Je pense pas refaire de vidéo cette semaine. Je serai hospitalisée jeudi. Donc je verrai comment je me sens si ce week-end je vous ferai une petite vidéo. Je dois faire une vidéo Halloween et encore un vlog Disneyland Paris, la dernière Paris, la dernière partie. Donc je verrai quand je la mettrai en ligne. Hein, je suis un peu, voilà. On voit au jour le jour. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, je vous donnerai des petites nouvelles si vraiment, au cas où, je touche du singe, je n'irai pas. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires. Ça fait toujours plaisir. Même si je vous mets un cœur, je lis tous mes commentaires, mais tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous!